Jacques est à la retraite. Le dessin est une passion qui l'anime depuis sa tendre enfance sur les bancs d'école. C'était surtout le crayon qui m'attirait, le blanc du papier et le crayon. Et j'ai poursuivi à crayonner jusqu'à la fin de mes études secondaires. Après, j'ai abordé l'étude supérieure et là, j'ai commencé à envisager la vie professionnelle qui m'a absorbé et qui m'a fait abandonner totalement le dessin. Et je n'ai retrouvé l'envie de dessiner qu'au moment du départ à ma retraite. Il a essayé la peinture à l'huile, puis l'aquarelle, et son choix s'est vite porté sur... Dans l'aquarelle, la démarche est totalement différente. Dans la mesure où le pigment est fluide, il s'agit de l'eau, et que l'eau, lorsqu'elle s'impose à vous, vous ne pouvez pas la dominer. Ce qui implique qu'avant même de commencer à travailler une aquarelle, vous devez penser à ce que vous allez faire, car si vous posez une couleur qui ne vous convient pas, vous ne pouvez plus la modifier. Jacques préfère la complexité à la simplicité, l'instinct à la raison. Il est dévoué à la peinture, il y consacre de longues heures, presque chaque jour. Ce qui m'avait attiré dans l'aquarelle, c'était la spontanéité du geste et le rendu immédiat. La peinture à l'huile implique quand même un certain temps pour penser et travailler, alors que l'aquarelle est instantanée. Vous posez votre couleur et vous avez immédiatement un résultat. Des paysages, des portraits, Jacques a son propre style. Le regard, le ciel, tout ce qui bouge la mer, tout ce qui implique un mouvement que j'essaye de saisir et qui m'apporte le plus de satisfaction. Né à Paris, il a grandi en Algérie avant de venir s'installer à Aubagne en 1995. À 84 ans, Jacques a des projets plein la tête. Et j'espère bien, j'ai d'ailleurs déjà réservé une location de salle à Roquevert pour le mois de mai prochain. Je suis en pourparler également avec une galerie pour voir si elle peut me prendre part. Je cherche une galerie qui permettrait d'exposer en permanence mes œuvres. Sa maison respire l'art. Jacques espère faire partager sa passion pendant de nombreuses années encore.